Allez-vous écouter les gars, moi c'est vraiment super bien, j'ai la forme, j'ai la patate, j'espère que vous l'avez également de votre côté les gars, car aujourd'hui, gamers et gameuses, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo vraiment attendue par la plupart de mes abonnés qui me l'ont vraiment réclamé, que ce soit sur Skype, sur YouTube, etc. C'est vrai que j'ai pris un petit peu de retard à vous la faire, à vous la proposer, et donc voilà, je tenais vraiment à m'en excuser. Donc, pour cette fameuse vidéo, donc, on se retrouve pour mes classes et l'astuce en recherche et destruction. Donc on va commencer tout d'abord par vous montrer mes classes. Donc voilà avec les classes avec lesquelles je joue en R&D. Donc ma première SMG, donc qui est la MP7, je ne joue pas à la MSMC parce que pour moi, après le patch, elle n'est pas terrible. Et c'est vraiment pas l'SMG que je vous conseille, la MP7 fait aussi son taf. Donc sur cette fameuse MP7, je mets garde-main, poignée argot, je vous assure les gars, que mais déjà la MP7 de base a quand même un gros recul. Un recul qui est abordable étant donné que l'arme va de bas vers le haut, elle tangue pas trop de gauche à droite, donc c'est un recul pour moi qui est qu'on peut maîtriser avec ses sticks, comparé à la PDW qui elle n'a pas vraiment un gros recul, elle monte pas énormément de bas vers le haut, mais elle tangue énormément de gauche à droite, et donc c'est un recul super dur à maîtriser. Donc voilà. Donc j'ai mes garde-mains pour ce recul, donc il est encore plus abordable avec le garde-main. L'arme se lève presque pas, à moins que vous videz voilà, toutes vos chargeurs. Sinon voilà, si vous mettez des petits coups sur R1, bah voilà, franchement l'arme est vraiment maîtrisable. Avec ceci, donc je mets la poignée argot qui est pour moi l'accessoire indispensable sur toutes vos classes. Le temps d'avance sur l'ennemi, voilà, il le faut. Surtout en duel, ça peut vraiment vous aider, vous apporter quelque chose. Donc voilà. Au niveau de mes atouts, donc poids léger, robustesse, conditions extrêmes et silence de mort. Donc pourquoi conditions extrêmes? Alors comme vous aurez pu remarquer, je n'ai pas mis de secondaire, j'ai pas mis de B23R. Pourquoi? Parce que quand vous courez, quand vous prenez votre secondaire pour courir plus vite, avec votre B23R, vous faites une certaine distance. Cette distance sera doublée si vous avez pas de secondaire. Si vous courez avec votre couteau, testez, mettez-vous en privé, vous faites une distance avec le B23R sans vous arrêter, et vous repartez du même point avec votre couteau, vous verrez que la distance sera doublée. Donc voilà. Au niveau de ma mortelle, donc je mets la grenade et la paralysante. Donc voilà. Après, au niveau de ma deuxième SMG, donc je prends la Scorpion, une arme qui fait vraiment super mal, que ce soit sur des petites maps ou dans des gros duels, voilà, c'est vraiment une arme qu'il faut avoir. Alors donc je mets le viseur laser, la poignée ergo. Pour ceux qui voilà aiment pas trop la MP7, ont du mal avec la MSMC, je vous conseille vraiment la Scorpion, les gars, c'est vraiment un truc de ouf, vous faites un malheur avec. Viseur laser, poignée ergo que je l'équipe. Franchement, c'est vraiment des accessoires qui s'accordent à merveille avec. La poignée ergo pour voilà, avoir un petit temps d'avance. Et le viseur laser parce que encore à corps, c'est une arme qui franchement fait très 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 mal. Et donc avec ce viseur laser, vous apporte un petit plus. Donc en atout, un poids léger, robustesse, silence de mort, conduite extrême, Semtex et fumigène. Dans ce coup-ci, ça va plutôt être une classe offensive, où il va falloir mettre la fumigène pour pouvoir peut-être amorcer ou poser votre bombe, et voilà votre Semtex pour pouvoir mettre une petite cover dans un bâtiment, etc. Ma classe à l'air, donc la M81, donc celle-ci c'est plutôt une classe où il va falloir défendre une bombe, prendre un bac, par exemple je pense sur Meltdown, quand vos mates vont devoir poser la bombe, vous devez prendre le bac, bah voilà, je prends cette classe-là, M81, viseur réflexe, poignée ergo cross, les accessoires que j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos qui font vraiment super mal, en secondaire le B23R, parce que la M81 je trouve qu'il met pas mal de temps à recharger. En tactique, le trophy. Pourquoi? Parce que voilà, quand vous mettez la cover à vos mates, le trophy est vraiment indispensable. Ils peuvent prendre une para, une IEM, une greu. Et donc voilà, ça vous fera une petite protection. En atout 3, silence de mort, robustesse et poids léger. Des atouts que voilà, je trouve indispensables. Poids léger parce que avec la crosse, ça fait vraiment un truc de fou. La crosse vous permet d'avoir des déplacements latéraux plus rapidement quand vous visez. Et avec poids léger, j'ai l'impression que ces passes sont encore plus flagrants, si vous voulez. Et donc voilà. Robustesse parce que voilà, en duel, c'est le meilleur atout. Franchement, pour avoir une chance en plus, puis je vois pas trop quoi utiliser d'autre. Et silence de mort parce que je reviendrai sur cet atout à la fin de la vidéo. Donc voilà. AR, donc ma deuxième classe à l'AR, donc l'N94, alors je mets pas un accessoire, je ne mets plus de viseur réflexe parce que pour moi en fait je me suis rendu compte que après le patch, bah, j'ai l'impression que le recul est un petit peu, en fait la cadence a un petit peu été baissée, légèrement, très légèrement, j'ai vu ça sur des stats, et donc le recul est un petit peu moins flagrant, donc je mets balle blindée qui fait vraiment très mal, quand vous tirez sur un ennemi qui se met derrière un mur, voilà, balle blindée va faire le petit taf, étant donné que en gros ça équivaut à un impact lourd, et donc voilà. Poignée argot et cross, donc au niveau de mes atouts c'est toujours les mêmes, je mets en secondaire mon B23R pareil, et ce coup-ci je mets l'IEM, donc ça va être une classe à l'AR plutôt pour être offensif, pour aider mes mates à poser une bombe et, par exemple. Et donc voilà, et donc ma dernière classe, alors celle-ci je sais pas trop encore si je vous la conseille vraiment, le DSR50 en bibande en surarmement MP7, alors cette classe-ci franchement j'utilise plus trop, étant donné qu'il y a eu la mise, enfin je sais pas s'il y a eu la mise à jour ou pas, hein, ou ça va arriver ou je sais quoi.
qui va nous faire que le DSR tirera une balle. Il va falloir attendre 2 secondes pour retirer une deuxième balle. Et donc voilà, je trouve que c'est pas terrible. Après, sur des maps comme Raid, je pense que c'est une question de premier shoot. Si vous mettez la balle sur l'ennemi, bah c'est bon. Généralement, il passe rarement à 4 au mid. Après, voilà, c'est la classe en tout cas que je mets en surarmement avec le scope. Donc je mets DSR50, B-Band, MP7, poignée argot, toujours la poignée argot qui est pour moi indispensable, poids léger, robustesse, main leste, parce que si vous avez un duel par exemple sur Raid, admettons, que vous êtes au pré-shoot, vous ratez votre balle et vous en avez vu un rusher, vous switchez très rapidement avec main leste sur votre MP7 et voilà, vous l'enchaînez et conduit extrême pour être le premier dans les pré-shoots. Donc voilà. Mes classes pour la SND, en tout cas j'espère vraiment que ça vous aura plu. Donc silence de mort, pourquoi je le mets sur quasiment toutes mes classes? On peut voir que à part sur ma classe au DSR50, sur un moment, je ne l'utilise pas. Donc pourquoi? Parce que vous allez tomber contre des équipes, enfin, quand vous allez avoir un bon niveau, vous allez tomber contre des équipes qui seront équipées, qui auront des bons casques. Par exemple, je sais pas moi, des Cibala V2 avec des Mixmates, enfin voilà, c'est des casques qui se mettent sur des Mixamp, etc. Et donc ils auront une qualité audio supérieure à vous. Et donc, va vous entendre, bah, voilà, ils auront l'avantage sur vous au niveau de l'audio, et donc vous allez très facilement, vous allez vous faire entendre plus facilement qu'avec un, je sais pas, un AX180 par exemple. Et donc, silence de mort va faire que, bah voilà, ils auront un petit peu plus de mal, vous aurez vous une chance en plus, parce que vous ne vous ferez pas remarquer, ou tout du moins un peu moins entendre, qu'avec sans cet atout silence de mort. Et donc voilà la petite astuce pardon, que je pourrais vous donner. Donc en série de points, je mets l'ARCXD, le Hellstorm, le foudroiement. Sur des maps comme Express, j'évite ces deux streaks parce qu'ils ne servent strictement à rien. Enfin, le Hellstorm et le foudroiement, vu que c'est une map qui est très fermée, notamment pour le point terminal, là, vous savez, quand vous posez la bombe, etc., ça ne fait pas son taf. Et donc je préfère mettre plutôt la machine de mort ou la machine de guerre. Donc voilà, donc au passage les gars, je tenais à vous dire une petite info, je fais mon ODC, donc j'ai créé un ODC qui se jouera dimanche 28, donc ce dimanche-ci, donc demain, pour toutes les personnes qui seraient intéressées, je mettrai le lien dans la description. Alors c'est 16 slots, il y aura pour le moment, donc il y a 10 équipes inscrites, confirmés qui joueront cet ODC, il reste que 6 places, dépêchez-vous les gars si vous voulez faire un petit ODC dimanche à 21h, bah c'est le moment les gars, je mettrai le lien dans la description. Au passage, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi les gars j'ai pris un réel plaisir à vous la proposer, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo les gars, ciao, bye.